Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis Tim de Space News, Sol 13, Terra 3. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle aventure extraterrestre. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024, il est 17h et j'ouvre la 35e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à 17h. Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées. Ce qui fait que je peux toujours vérifier les informations que je partage avec vous en consultant mes fichiers. Vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023, trait d'union 115 et dans mon livre Premier Contact. Aujourd'hui, nous allons découvrir les Agartiens qui occupent le siège numéro 8 de la Fédération Galactique. Les sièges occupés au sein de la Fédération Galactique sont listés par ordre numérique croissant et leur occupation par ordre d'attribution au fil des millénaires par les lignées suivantes. Numéro 1, les Arcturiens d'Arcturus. Le siège numéro 2, les Andromédiens d'Andromède. Les sièges 3 et 4, occupés par les Pléiadiens de Tégète. Le 3 par Procyon et Dakoté et le 4 par Héra et Témère. Le siège numéro 5, les Alphratiens d'Alpha du Centaure. Le siège numéro 6, les Syriens de Sirius A, B et C. Le numéro 7, les Vénusiens de la planète Vénus. Dans le système Sol 13, c'est-à-dire notre système solaire, le numéro 9, les Urma du système Vega Lyra, le numéro 10, les Antariens d'Antares, le numéro 11, les Lyriens et Véganais du système Vega, et le siège numéro 12 par les Étortants de la constellation d'Orion. Je vais maintenant vous parlez de l'histoire ancienne de la Terre et de celle des Agartiens. J'ai eu cette conversation avec Zen en live le 30 mars 2021. C'est donc plutôt récent. Donc je rappelle encore une fois que ces communications, ces conversations, pas toutes puisqu'il y en a en audio, sont toutes noires sur blanc à l'écrit en live. Et donc il m'est facile de récupérer les textes que j'ai enregistrés. L'environnement au sein duquel cette histoire des Agartiens m'a été racontée est celle du monde antédiluvien, c'est-à-dire le monde qui existait avant le déluge terrestre et avant que la planète Tiamat ne se désagrège. La planète Tiamat existait encore à ce moment-là et on la voyait comme on voit la Lune de nos jours. Et on voyait aussi plus clairement Saturne qui était plus proche de la Terre. Donc je rappelle que la planète Tiamat se situait entre Mars et Jupiter et où on voit maintenant, comme vous le voyez sur l'encart, la ceinture d'astéroïdes qui est en partie composée des restes de Tiamat. La Lune des Terriens de l'époque était la planète Tiamat. On la voyait de la Terre parce qu'elle était beaucoup plus volumineuse que la Terre et elle n'avait pas encore disparu. La Terre à cette époque était couverte de forêts et de très vastes plaines qui ont aujourd'hui disparu. Il y avait sur Terre un seul continent avec de nombreux lacs. Il n'y avait pas de mer ni d'océan et on pouvait faire le tour du monde à pied. Toutes ces contrées lointaines qui sont mystérieuses de nos jours, mais qui sont pleines de souvenirs antiques, sont désormais immergées sous l'eau du déluge. L'Atlantide et la Lémurie sont les deux grands Occident et Orient, ou l'Est et l'Ouest de cette époque,
Et ils se confrontaient inlassablement dans des guerres de longue durée. Aujourd'hui, ces connaissances se sont perdues sur Terre et l'existence même de l'Atlantide et de la Lémurie est mise en doute, sans parler de la mémoire des civilisations précédentes. C'est un cycle éternel de croissance, d'expansion et de décomposition et destruction. La Terre, à cette époque, c'était 400 millions d'années de civilisations avancées, toutes technologiques, avec des personnes de sagesse, des capacités interstellaires. C'est notre vrai passé et ces civilisations avancées sont nos vrais ancêtres. L'Atlantide correspond à l'Occident de nos jours. Ce n'était pas un continent, mais une société, une culture. Et c'était aussi le nom de la capitale de cette culture, Atlantis. Il était situé sur le continent des Appalaches et de nos jours sous l'Atlantique Nord, la région des Appalaches dans l'ouest des États-Unis, la Caroline du Nord et le Kentucky et le Tennessee. La Lémurie ou Mu à l'Orient, là non plus, ce n'était pas seulement une zone géographique, mais la capitale d'une civilisation et d'une culture. La Lémurie, la civilisation, Mu, la capitale, qui se trouvait sur le paru d'Océana, aujourd'hui l'Océanie. Mu a été fondée par différents groupes de Lyriens et de Pléiadiens qui développèrent une première colonie qui fut tellement florissante que plein de monde l'a rejointe, y compris ceux qui fuyaient la tyrannie de l'Atlantide. Puis Tiamat s'est désagrégée. Et toute la terre a été inondée. C'était ce que l'on appelle le déluge sur terre. La grande majorité des populations s'est noyée, mais les survivants de la Lémurie ont fui vers ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Japon. Les survivants de la Lémurie, dans leur fuite et leur relocalisation, découvrent des cavernes sous le mont Shasta, de nos jours, près de Sacramento, en Californie, en Amérique du Nord, aux USA, et ils y descendent le plus profondément possible. Les survivants de l'Atlantide, de leur côté, fuient vers les hauts plateaux des montagnes qui ont été épargnés par l'eau. C'est aujourd'hui l'Irlande et les hautes terres d'Écosse et d'Angleterre. Et ils y seront connus plus tard sous le nom de Celtes. Les Lémuriens survivants de la Lémurie sont des Pléiadiens qui se sont mélangés à l'Homo Atlantis, qui est la race adamique, qui est le résultat d'une manipulation génétique entre des humains terriens et des Lyriens dans le but de créer des esclaves pour la société reptilienne. Les Agarthiens sont des ex-Lémuriens. Donc hybride lyrien-pléiadien. Ils font donc partie des humanoïdes célestes en compagnie des terriens, des centauriens de Toseti, des ariens d'Orion, des humites de Wolf 424, des sassanides du Triangle, des antariens d'Antarès, des syriens de Sirius et des pléiadiens de la main des Pléiades dans le Taureau. Leur système solaire est Sol 13, bien entendu, puisque leur société est souterraine. C'est le même système solaire que le nôtre, puisqu'ils sont originaires de la planète Terre. Ils ne sont pas distants, puisque leur civilisation est souterraine. Et ils n'ont donc pas besoin d'être en orbite terrestre, donc ils ne possèdent pas de vaisseau. Ils utilisent ceux des Vénusiens s'ils ont besoin de voyager dans l'espace. On les appelle aussi les Télosiens du mont Shasta ou les Vulcains comme Mr. Spock dans Star Trek. Mais ils n'ont pas de planète appelée Vulcain comme dans Star Trek, c'est inexact. Ils possédaient encore des technologies de pointe, même s'ils en avaient beaucoup perdu dans le déluge, mais ils les ont utilisées pour former une civilisation intraterrestre avancée. Peu à peu, pendant des milliers d'années, ils se sont répandus dans le monde entier, mais toujours dans des bases souterraines.
car c'est à cette profondeur, la matrice fréquentielle à 7,83 Hz est faible. Leur fréquence est très élevée. Leur volonté de bien vivre et d'être heureux les ont maintenus en cinquième densité ou mini cinquième densité. Leur capitale s'appelle le Grand Shambhala.